bénéficiaires de nos frères qu'on appelle aujourd'hui Wouma, ce sont les gens qui ont touché l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils ont manqué quoi? La sagesse. Voyez. Vous devenez une cible. Quand vous avez l'argent, vous devenez une cible des gens. Vous IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Toi seul que puisse apparaître. Dieu le au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le roi. Nous devons merci beaucoup. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de notre Dieu soit loué. Il fait en sorte que nous ne puissions pas rater les jours. Amen. Amen. Il nous a donné toutes les occasions pour que nous puissions écouter sa parole et nous puissions communier ensemble. Après avoir parlé sur un nouveau départ, un nouveau départ avec Dieu, nous commençons une nouvelle série d'enseignements où nous sommes en train de parler sur les choses qui valent mieux que l'argent. Nous sommes comme Macambo, l'équipe au Tuyer, et c'est qu'un bon goût. Mais qu'est-ce que les pasteurs veulent nous dire là, monsieur? L'argent est important dans la vie. Donc, ça nous tient. Est-ce qu'il y a des choses qui valent mieux que l'argent? C'est Macambo, l'équipe au Tuyer. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 7. Le verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Et nous allons aussi lire Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 7, le verset 11. Nous dit ceci. La sagesse vaut autant qu'un héritage. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est habité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. Ecclésiaste 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Mais ça, la pour se faire le verre à la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Amen, amen. Amen. C'est ça que j'étais en train de dire ici. Qu'est-ce que les pasteurs veulent nous dire ici? Ecclésiaste, c'est clair. L'Ecclésiaste dit que l'argent répond à tout. Alors bien, t'es bon, ça te donne un peu de l'argent est important dans la vie. Et ça, tu l'as fait dans le monde. L'argent a existé avant que vous puissiez naître. Il y a un peu de temps, il y a beaucoup de temps. Avant votre naissance, l'argent existait. Il y a beaucoup de temps, il y a qui. Après votre départ sur la terre, l'argent existait. C'est un peu de temps, il y a beaucoup de temps. L'argent, c'est un moyen d'échange. Il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps. Donc, avec l'argent, nous faisons l'échange. Nous recevons ce que nous avons besoin. L'argent permet à ce que nous puissions avoir des choses que nous avons dans la vie. Mais nous lisons 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Nous allons lire dans plusieurs versions. Paul dit à Timothée ceci. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quel péché en étant possédé, ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ça, c'est la version Scofield nous lit.
Les Français courants nous disent ceci. Français courants nous disent ceci. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Et tu peux lui voir un bon, c'est lui mon système, un bon Dieu. Comme Français courants disent, la racine de toutes sortes, on nous montre les sources. Des sortes de mots. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont affligés bien des tourments. Ici on parle du verbe affligé. Alléluia. Amen. Parole vivante dit ceci. La parole, oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché. C'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert. Et c'est leur faute. La version d'Arbi dit ceci. Car c'est une racine de toutes sortes de mots et l'amour de l'argent. C'est quelques-uns ayant ambitionné. Ils ont eu l'ambition de cela. Et se sont égarés de la foi. Et se sont transpercés. Au même de beaucoup de douleurs. Ma version Lingala, que j'aime beaucoup, Lingala, les rues nous disent. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que l'argent est éthique à la vie. L'argent nous donne le pouvoir. Nous avons besoin d'accomplir beaucoup de choses avec de l'argent. Je disais tout à l'heure que l'argent existait avant votre existence. Avant que vous veniez sur la terre, l'argent était là. Même après votre départ sur la terre, l'argent restera. C'est pour cela que vous verrez des gens. C'est pour monnaie pour avoir l'argent. Ils font tout pour avoir l'argent. Mais malheureusement, malgré que tu peux avoir l'argent et mourir demain. Alléluia. Amen. Les hommes poursuivent des choses. Ça, il ne faut jamais oublier. L'homme sur la terre poursuit des choses. L'homme a besoin du pouvoir. Et il a besoin de la grandeur. C'est quoi le pouvoir? C'est la capacité de contrôler son environnement, la capacité de contrôler les circonstances. Et l'argent donne ses pouvoirs. Quand tu as l'argent, il y a beaucoup de choses qui sont sous ton contrôle. Parce que tu as l'argent. Alléluia. Amen. Et j'ai dit la deuxième chose, c'est la grandeur. La grandeur, c'est quoi? C'est les sentiments. Des valeurs. Alléluia. Amen. Tout le monde aime qu'on puisse donner la valeur. Alléluia. Amen. Tout le monde a besoin qu'on lui donne la valeur. Quand il passe, sans les dégâts, arrivez à dire. Elle est en train de passer. Il est en train de passer. C'est lui, la célébrité. Et l'argent donne de la célébrité. L'argent donne de la grandeur. Quand tu as l'argent, tu as de la valeur. Même dans la famille, tu auras de la valeur. On sait que lui même, il peut contribuer. S'il y a un problème, allons voir Yaya. Yaya peut s'exprimer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Yaya a dit, à l'amour. Parce qu'il y a un amour, à ça. À l'amour, à l'amour, à l'amour, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. L'argent donne du respect tout autour de vous. Bon, ça, il y a une histoire qu'on raconte dans l'Ecclésiaste chapitre 9. À partir du verset 15. Et il y avait dans un village, dans une ville,
Un homme qui était pauvre. Moi, c'est qui mais il avait la sagesse. Il a donné un conseil. Mais c'est qui mais personne ne pouvait écouter. Ecclésiaste 9, verset 16b, dit ceci. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Un pauvre, même si. Il parle, on ne va pas l'écouter. La valeur, l'argent donne de la voix. Quand tu as l'argent, tu as la voix. Même aujourd'hui, nous, les églises de l'éveil, que Dieu nous aide. Même l'église catholique ici, pourquoi elle parle? Parce qu'elle sait qu'elle contrôle beaucoup de choses dans ce pays. Ils sont des écoles. Ils sont hôpitaux. C'est pour cela qu'ils peuvent tenir tête avec les dents. On va écouter les mélanges pour la matinée. Alléluia. Amen. L'argent donne la voix. Bon, ça, ça, ça. J'ai souhaité les regretter par rapport à l'économie de mon pays. C'est tenu par les étrangers. Donc c'est-à-dire une partie du pouvoir de notre pays, c'est entre les mains des étrangers. La plupart des gens qui travaillent dans notre nation ici. Ils travaillent chez les Indo-Pakistanais, les Indiens. Ils peuvent leur dire, venez travailler le dimanche. Ils viendront travailler parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils sont là, ils ont l'argent. Ils ont le pouvoir. L'argent donne le pouvoir. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. L'argent donne la valeur. Mais bien aimé, ce que vous devez savoir, il y a plusieurs personnes. Ils ont tout aimé. Si j'ai l'argent, j'aurai une grande personnalité. J'aurai la célébrité. Mais combien de fois on n'a pas entendu quelqu'un qui a l'argent, c'est ceci. Parce que nous avons surestimé la valeur de l'argent. Je vais vous dire, malgré son importance, il y a des choses qui valent mieux que l'argent. Et ça, la campagne de ça. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui valent mieux que l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent. Ils se suicident, n'ont pas la paix dans le cœur. Il y a des gens qui croyaient dans leur foyer, dans leur couple. Lorsqu'ils auront l'argent, ils seront calmes. Mais combien de millionnaires, des milliardaires font des divorces? L'argent n'a pas si stabilisé les familles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Je ne trompe pas d'auditoire, est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont poursuivi l'argent. Ils ont cherché l'argent. Mais ils sont toujours malheureux. Ils meurent. Les gens tels que le Michael Jackson. Il est mort d'overdose. Overdose, donc à drogue de qui? À l'équipe dose over. Nicolou. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Malgré qu'ils avaient l'argent. Il y a des choses qui dépassent l'argent. C'est ce que nous allons dire. C'est tout le temps. Vous êtes prêts à écouter cela? Je n'attends pas les amen. Amen. Voilà. Amen, amen. Amen. Mais même les choses qui est quelque chose qui est plus que l'argent. Oui, c'est la sagesse. Ça dit bon. Dis avec moi la sagesse. La sagesse. La sagesse est plus que l'argent. Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. La Bible dit ceci, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Donc les sages, c'est Salomon qui a écrit ça, il nous parle comme l'argent protège. La sagesse aussi protège. Mais écoutez comme il continue à dire. Mais il y a un avantage dans la science, c'est que la sagesse fait vivre ce qui la possède. Donc si vous avez l'argent, c'est bien, ça va vous couvrir. Mais la sagesse vous donnera une longue vie. Amen. Amen. Est-ce que vous en avez très bien? Amen. Français courant dit ceci. Comme l'argent,
Et bien à l'abri des dangers. Maintenant, elle ici, on nous parle sur la sagesse. Elle prolonge la vie de ceux qui la possèdent. Voilà pourquoi il est utile de la connaître. Utile d'avoir la sagesse. La sagesse va prolonger ta vie. Parce qu'il y a des gens qui meurent millionnaires trop jeunes. Par manque de sagesse. Parole vivante dit ceci, en effet, comme l'argent, elle le protège du danger. Elle ici c'est la sagesse. Protège du danger. Elle fait vivre plus longtemps ceux qui la possèdent. C'est pourquoi on gagne à la connaître. Si tu as la sagesse, tu vas gagner. Amen. Amen. Version Lingala dit ceci. Pamba te ndenge mbongo esalisaka mayele pe batelaka bato na makama esika mayele balobeza sagesse bwanya ebatelaka kutu na makama epesaka kutu bongo ibola ibomo ineni na moto oyo azali na yango. Amen, amen, amen. Ça prolonge la vie. Epesaka bongo ibola. Amen. Amen. Dis avec moi la sagesse. La sagesse. On le dit à mon bien-être, la sagesse. La sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la mise en pratique et la connaissance acquise. Oui. Ce que tu connais, oui, puis tu les mets en pratique. Oui. C'est ça la sagesse. Oui. La sagesse. Oui. Est importante. Parce que la sagesse te dira qu'est-ce que tu dois dire en ce moment. La sagesse, même pour te déplacer, tu dois où tu dois aller. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, souvenez-vous de la prière que, de la requête de Salomon. 1 Roi chapitre 3, verset 9. Salomon, après avoir donné l'offrande à Dieu, Salomon, c'est une très bonne offrande. 1000 holocaustes. Toute la nuit, les sacrificateurs ont commencé à brûler cela. L'holocauste qui veut dire l'offrande qui est brûlée. L'offrande qui est brûlée. Mais écoute sa prière. Il dit accorde à ton serviteur un cœur intelligent. La d'autres personnes disent un cœur sage pour juger ton peuple. La sagesse, on peut aussi dire, c'est le pouvoir de juger. Amen. La sagesse, c'est pouvoir de discerner les choses. Savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Amen, amen, amen. Il dit pour discerner les biens et les mal, car qui pourrait chercher ton père? C'est même si nombreux. Bien aimé, la sagesse est utile dans la direction. Quand tu marches, tu as besoin de la sagesse. Est-ce que tu peux accorder avec moi la sagesse? La sagesse. Psaume chapitre 51, verset 8. Psaume 51, tu dis ceci. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi. Ça, c'est la prière de repentance de David. Lorsqu'il est tombé avec la femme d'autrui, Bathsheba, il avait tué son mari. Pourquoi il dit que. Fais pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Pour dire ceci. Quand j'ai la sagesse, je ne vais pas répéter les mêmes erreurs. La sagesse, c'est la capacité de ne plus répandre les mêmes erreurs. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pour cela qu'il dit Seigneur, j'ai fait une erreur, une bêtise. J'ai pris la forme de Dieu. Fais pénétrer à moi là la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Job 32, verset 9.
dit ceci. Parce que selon la définition, selon les gens, on dit que comme ça, quelqu'un grandit. C'est ce moment-là qu'il devient comment? Il devient sage, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il a vécu beaucoup de choses. Il a vécu plusieurs expériences. Mais écoutez ce que Dieu dit. Au travers de cette parole, 39. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Sachez aimer. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. C'est-à-dire, on dit aussi un verset qui dit, celui qui fréquente les sages devient sage. C'est quand tu es avec Dieu, quel que soit l'âge que tu as, quand tu fréquentes les grands sages, qui est Dieu lui-même, tu auras la sagesse. Amen. Moi j'ai remarqué les gens qui n'ont pas vraiment étudié, qui prient, qui lit la parole, qui connaissent la parole de Dieu. Ces gens-là seront sages. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi? Il regarde les sages. Il est sage. Qui est Dieu? Il écoute la parole. C'est la haute sagesse. Comment on peut avoir la sagesse? La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Au moment où tu sous sa table, est-ce que je pouvais comprendre? Professeur d'université. Docteur. Aïe, moi, on se cigarette, ma commune, fumée et préjudice à la santé. Nous avons dit, il va excéder nos hommes et la Mikaya, aux hommes, aux autres. Comment ça va? Elle a maillé. Elle a maillé. Mais nous avons dit, nous avons dit, non, on détruit comme on a maillé, et ça t'aime, non, il y a mon livre. Ça va pas mal. Amen. Est-ce que c'est pas mon amant? Amen. Est-ce que c'est pas mon amant? Amen. Est-ce que c'est pas mon amant? Amen. Alléluia. Amen. Lobby, tu regardes côté à côté, côté à extension, la plus de l'école, le système à parce que tu es arrivé à Macamoura. Comment on sent de la Nzambe après les confinements où on a un maté à où on souffre un peu de tout. En tout cas, il y a un maté où on souffre un peu de tout. Ma belle, pour le maté, il y a un soir, il y a un maté, il y a un maté, non, non, pour ça, il y a un maté, les confinements, tout le monde a un maté. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu continues maintenant? Amen. Donc je disais, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Donc quand tu fréquentes Dieu, et que tu es avec Dieu, dans la méditation, dans la prière, tu deviendras sage. Amen. 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 Bien-aimé, l'argent nous défend. Bon, mes amis, l'argent la vous défend. L'argent la peut te défendre. Mais la sagesse te défendra plus. Et tu peux avoir l'argent. Avoir la défense. Mais la sagesse est plus que cela. On nous dit ici la sagesse. Donne la vie à la personne qui la possède. Quand tu es sage, tu as besoin. Amen. Amen. Maintenant, parallélise. Différence entre la sagesse et l'argent. Ce que l'argent fait, ce que la sagesse pourra faire. Premièrement, ce que nous devons savoir, l'argent va pousser les gens à ignorer Dieu. La plupart des gens, lorsqu'ils ont l'argent, ils deviennent riches. Ils commencent à ignorer Dieu. Mais la sagesse vous poussera à reconnaître Dieu dans votre vie. Amen. La sagesse te poussera à reconnaître Dieu. Mais l'argent peut te pousser à ignorer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui ont beaucoup d'argent n'écrivent plus beaucoup. Je vais vous dire une
chose. N'est plus pas seulement pour que je te donne l'argent. Nous ne prions pas pour recevoir l'argent. Dieu ne peut pas être priorité pour toi. Parce que la priorité change avec le temps, avec les circonstances. Mais Dieu doit être ta raison de vivre. Amen. Dieu doit être ta raison d'être. J'ai besoin de Dieu. C'est pourquoi nous devons changer nos messages dans nos églises. C'est tout pour maintenir les églises. Quand on reçoit, on ne va pas convoquer les autres. Mais maintenant, quand la personne reçoit ça, elle peut partir. Amen. Parce que ce que vous avez dit, elle n'a déjà réussi pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un commence à avoir de l'argent, quand vous trouvez la bombe, il n'est plus beaucoup. Les petits. Ils ne font plus confiance en Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils sont l'argent. Laissez-moi vous dire, l'argent ne peut pas remplacer Dieu. J'ai vu les images en Italie. Les gens, c'était en Italie, non. C'était en Brésil. Les gens ont jeté de l'argent. C'était en Italie. Ils ont jeté l'argent. Parce qu'ils ont vu plusieurs morts. Le premier ministre est passé d'assez pour pleurer, pour dire Dieu vient au secours. L'argent a des limites. Elle ne peut pas remplacer Dieu. Dieu a sa place. Ne prie pas seulement à cause de l'argent. Parce que l'argent ne peut pas remplacer Dieu. Amen. Mais non, sage. C'est là toujours. J'ai besoin de Dieu. Amen. Il y a un verset qui dit dans Psaume chapitre 14, il dit qui est sage? Celui qui est sage, c'est celui qui cherche Dieu. Vous allez montrer ça pour nous rassembler. Vous travaillez la salle pour tout, pour y aller dans la salle. Amen. Bon, il y a des balades dans la mongo, dans la macoki, mais la personne a dit. La plupart de nos animations, vous savez pourquoi? Parce que l'argent a résolu plusieurs équations de la vie. Il y a un homme qui a dit qu'il 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 y a un homme qui a Amen. Ne fais pas sortir Dieu dans ta vie parce que tu as l'argent. Oh, mais c'est un simple pour moi, c'est pour ça être un bon mot. Par exemple, on va envoyer l'église pour aller. Ah, alors qu'il y a une église pour ça. Ah, quel erreur. Quel erreur. L'homme sage est celui qui cherche Dieu. Psaume chapitre 14. Est-ce que vous en comprenez? Amen. Quand ça, c'est le troisième culte. C'est qu'on n'a pas donné aux autres, on leur donne. On vous donne un peu. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 14, on dit ceci. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Écoutez maintenant. Verset 2. L'Éternel Dieu des cieux regarde le fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu. Vous en comprenez? Amen. Sagesse et l'argent. L'argent va ignorer Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Mais la sagesse te poussera à reconnaître Dieu dans ta vie. Écoutez maintenant ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Il y a des choses plus que l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit ceci. Oui. Mettez les maîtres en qui? En Dieu. En qui? En Dieu. En Dieu. Qui nous donne avec abondance toutes choses
pour que nous en jouissons. Oh, ça fait du bien un homme riche, mais qui a la sagesse, qui aime Dieu, qui craint Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, l'argent pousse les gens à ignorer Dieu. Mais la sagesse les pousse à craindre Dieu. Quand tu es sage, tu vas craindre Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. L'argent vous éloigne de Dieu, mais la sagesse vous rapproche de Dieu. Deuxième élément entre l'argent et la sagesse. Première image, j'ai dit, c'est quoi? L'argent fait quoi? Hein? Ignore Dieu, mais la sagesse. Deuxièmement, l'argent est négligent. Quand un homme commence à avoir de l'argent, il devient négligent. Mais la sagesse fait des choix avec précaution. Vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils font beaucoup de rêves. Parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Ils ont fait tellement de rêves. Ils ont même perdu l'argent. C'est pour cela que c'est important d'avoir l'argent, d'avoir aussi la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. La richesse fait que la personne devient trop sûre de lui. Bonjour, et néglige beaucoup de choses. Il est trop sûr. J'ai mon argent. Je vais faire telle chose. Ce que je vais le faire. Ils ne sont plus dans les détails. Il peut avoir un problème. Il dit non, j'ai un avocat. Mon avocat va s'occuper de ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'argent va vous pousser. Vous continuez à à dire non, je vais résoudre les problèmes, c'est un petit problème. Les gens que vous appelez la plupart, ce n'est pas les jeunes que vous voyez, les grandes personnes, ils ont toujours l'argent. C'est l'argent des diamants. Mais quand ils ont manqué la sagesse, l'argent est parti. Bon, okay. Alléluia. Amen. 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 Tout le monde est cet homme va parler sur l'argent, sur la sagesse. La sagesse des vies. Vous allez poigner, nous là. Amen. Amen. L'argent vous pousse à dire non problème. Non problème. Je vais le faire. Je vais le résoudre. Mais la sagesse vous poussera à être conscient. Vous êtes conscient. Ce n'est pas un problème. Vous devez réfléchir. Ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. C'est vrai, les gens croient qu'avec mon argent, je serai protégé. J'ai l'argent. Mais la sagesse se protégera plus que l'argent. Alléluia. Amen. La sagesse te défendra plus que l'argent. Alléluia. Amen. Il faut avoir de l'équité avec mon équilibre. La sagesse. Vous pouvez avoir de l'équilibre. C'est l'équilibre. Il faut l'équilibre. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Troisième des choses. L'argent vous fait une cible des gens. Vous devenez une cible. Quand vous avez l'argent, vous devenez une cible des gens.
Alors que la sagesse vous défendra lorsque le roi de l'attaque. Alléluia. Amen. Quand on est pauvre, quand on ne sera pas une cible des gens. Mais quand vous commencez à voir un père, devenez la cible des gens. C'est pour ça que vous avez besoin de la sagesse. Quand vous saurez un peu la sagesse, vous ferez avoir les intentions des gens. Les véritables intentions des gens qui vous approchent. Luc chapitre 5, verset 51. Luc 2, 52 dit ceci. Jésus croissait.
en sagesse, en stature, en grâce. Alléluia. Amen. Et trahis, maman. Est-ce que ça va? Quatrième point. Minei. La sagesse. Boya. Vous faites marcher dans la grâce. Quand vous avez la sagesse. Vous marchez dans la grâce. Mais l'argent. Vous faites devenir arrogant. Quand vous avez l'argent. Vous devenez arrogant. Alléluia. Amen. Mais la sagesse vous poussera à faire confiance en Dieu. Et vous poussera à compter sur Dieu. Mais l'argent vous dira que vous avez la capacité. Vous avez les pouvoirs. N'oubliez pas, je vous ai dit, l'homme aussi combien les choses. Combien les choses? Quelles sont ces choses-là? Les pouvoirs et la grandeur. Et l'argent donc c'est là. Bon, quand tu as l'argent, tu as les pouvoirs de contrôler les choses. Ou de contrôler les gens qui sont tout autour de toi. Quand tu as l'argent, tu as la grandeur, tu as la monnaie, tu as la valeur. La grandeur, c'est l'estime. La valeur, on va couper. Amen. Amen. Maintenant l'argent. Vous faites devenir arrogant. Vous devenez arrogant. Vous devenez l'homme orgueilleux. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, ce que nous voyons vous là, ce n'est pas votre véritable présence. On va vous tester, c'est les jours où vous aurez l'argent. Au moment où on va dire qu'il y a un, oh non, maman, même nous, oh non, c'est une amale, il y a un rapport. Ah, fidèle pour un amour aussi. Amen. Fidélité, vous savez la fidélité avec l'église, ma peau est agréable. Et celui qui est le masque, c'est un amour. Amen. Si vous souhaitez dans la lame, il faut en aller pour ça. Oh, évitez. Moi, c'est toujours une question. Moi, c'est une question. Et ce soir-là, dans le poulement, il monte. L'argent m'embête, c'est très bien. Moi, c'est ça. Ok, dans le poulement, on l'a dit pour la tête des choux. Moi, c'est ça. On dit que moi, si je n'ai pas de l'argent, l'argent m'embête. Véritable caractère de l'œil dans la cour aux hommes. Amen. Les pauvres n'ont pas le choix. Ils doivent être constatés. C'est une humilité déguisée. Comment dit ça? Oui, putain. Voilà, soit même la cour là-dessus, on a essayé ce nom-là de là-bas. Amen, amen. Amen. Là où il y a même dit. Amen. Pour mon amour, vous avez un peu de temps à faire un peu de Mais le mec, même des manches, on a besoin des manches à ma pierre. Ça va, mon amour, même des manches, ça y est. On n'y a pas de manches, on n'y a pas de manches. Donc, au moins, il y a eu. Vous avez des gâtés, au cahier à côté de nous, parce que tu as l'argent. L'argent. Tu donnes de l'arrogance. Personne ne l'a. Tu deviens arrogant. Alléluia. Amen. L'argent transforme.
béni. Salvé. Cette sagesse afin que nous savoir nous appliquer la
sagesse est utile à la direction. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le roi de la merci. Mais Dieu, la matière de Dieu. La coupe de Jésus-Christ. De lui. Amen. Si tu es semaine, la semaine n'est pas molle pour nous. Nous sommes au salé qui nous dit sagesse. Et ça la partage là. On est ni il faut ça, ni il faut le bas. Ici il faut ça là. La comme on a eu. Allez sans paix. Oui. Faut que je te parle. J'en ai tiré dans la maison de l'éternel jusqu'à la paix de mes jours. Amen. Zara, comme on a eu. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.